Alors, où on en était ? Je voulais pas t'humilier, j'essayais seulement de t'aider. Je me suis senti comme un imbécile. Comment est-ce que j'aurais su qui a écrit L'étranger? Tout le monde s'en fichait que tu le saches ou non. Je sais pas pourquoi on joue à ce jeu idiot chaque fois qu'on va chez eux. Sans doute pour que Vince étale sa grande culture. On aurait quand même pu attendre le dessert. Vous m'avez fait peur, j'ai cru que c'était des voleurs. Laura, je veux te voir, s'il te plaît. Eric, habille-toi et sors d'ici. Papa! On faisait rien de mal. Tu as bu de l'alcool, toi aussi? Oui, un petit peu. Je t'avais pourtant dit que je ne voulais plus le voir ici. Et comme toujours, tu n'obéis pas. Tu disais jamais rien quand je voyais Danny. T'as quelque chose contre Eric, c'est ça, hein? Danny ne se conduisait pas de cette façon-là. Pas quand vous étiez là. La question n'est pas de choisir tes petits amis, mais de savoir si on peut te faire confiance. Tu resteras 2 semaines sans sortir. Maman, c'est pas juste. Monte dans ta chambre, tu veux? Alors là, elle exagère. Non, vraiment, je suis trop fatiguée pour parler de ça ce soir. Je vais me coucher. Très bien. Il vient pas? Non, pas tout de suite. Oui, j'avais promis de reprendre Steve si le boulot repartait, mais si les affaires s'arrangent pas... Tu n'aurais pas vu mon sac? Oh, non. Ah. Écoute, Laura, tu ne crois pas qu'il serait quand même temps pour toi d'être un petit peu sérieuse? Tu dois réussir ton année scolaire pour pouvoir choisir ton université. Nous avons 4 semaines pour écrire à celle qui nous intéresse. Je suppose que tu y penses. Oui. Je n'ai pas l'intention de m'en occuper toute seule. Ce soir, on s'occupera des universités du Wisconsin. Je compte sur toi, tu m'entends? Mais peut-être qu'à la fin du mois, on pourra voir ça plus précisément. J'ai rendez-vous à 5 h, mais je rentrerai assez tôt pour faire le dîner. Bon, moi j'y vais. Oh, cette fois, c'est promis. À ce soir. Je suis en retard. Au revoir. Et tu oublies ton déjeuner? J'irai m'acheter quelque chose. Évite les frites pour une fois. Ça ne te fait rien de gâcher ton trimestre. T'as manqué l'interrogation écrite d'hier. Tu sais, si tu continues, je te laisserai pas monter dans la classe supérieure. Je comprends, ouais. Moi pas. Tu étais l'une des toutes meilleures élèves de ma classe l'an dernier. Je sais ce que ton frère a traversé. Et je ne voudrais pas devoir suivre le même chemin. Tu comprends? Je me sens fatiguée, c'est tout. Je suis allé parler de toi, monsieur Carlson. C'est mon devoir de le mettre au courant quand ça va aussi loin. Tu connais la règle? Oui, monsieur. J'ai mon cours d'histoire. À quoi tu penses? Ça va pas? Ça t'arrive d'imaginer que tu pourrais être quelqu'un d'autre? Comment ça? Je comprends pas. Bah oui, tu pourrais être une personne différente. Avec une famille différente, une école différente, toute différente. Qu'est-ce que tu racontes encore? Comment on ferait? On oublie ça. Tu sais que tu devrais faire attention. Tu dis plein de choses dingues ces temps-ci. Hein, c'est vrai.
C'est peut-être moi qui deviens dingue. Regarde en face, on dirait ton père. Ne me dis pas que c'est sa cousine. Hein. On s'en va. C'est moi. Finalement, je rentrerai tard. Oui, je sais, inutile de le dire. Laura, débrouille-toi pour le dîner. La salade est dans le frigo. Et il y a des côtes d'agneau dans le congélateur. Et toi ? Bon, à plus tard. Ouais. Viens ici, j'ai à te parler. Alors, tu as quelque chose à me dire? Non, pourquoi? J'ai reçu un coup de fil de ton école de M. Carlson. Il m'a expliqué que tu n'allais pas aux interrogations écrites. Il veut nous voir, ta mère et moi, mercredi prochain. Rassure-toi, j'ai pas l'intention de gâcher mes études. Je sais que David a commencé comme ça, en négligeant les cours. J'ai pas volé ni pris de drogue, alors pourquoi vous voyez tout en noir? Parce que nous nous trouvons devant un problème très sérieux. Qu'est-ce qu'on doit en penser? Rien du tout, ça s'arrangera. Mais oui, c'est ça, ça s'arrange toujours avec toi. Dis ça à ta mère, elle qui depuis un mois déjà ne pense qu'à trouver une université pour l'an prochain. C'est elle qui veut le faire, j'ai jamais voulu qu'elle m'aide à choisir. Laura. Laura, reviens ici. J'ai pas trouvé grand-chose dans les placards parce que maman n'a plus le temps de faire les courses, mais je t'ai apporté des conserves et le fer qui était dans le garage. Ouais, il pourra me servir, merci. Et comment ça se passe à la maison? C'est l'enfer. Ça devient intenable ces derniers temps. Raconte. Je sais pas ce que je fais là. Maman ne parle que de l'université où je pourrais aller. C'est très important pour elle que je sois la première de la famille à y entrer. Et je t'ai laissé ce grand honneur, hein. Ouais. Si jamais maman me redit qu'elle a mis tous ses espoirs en moi, je crois que je vais exploser. J'ai pas eu ta chance. Comment ça? Maman n'a pas été si gentille avec moi. J'avais à peine 13 ans quand, avec Bill Turner, j'ai fauché de l'alcool dans notre placard après l'école. On a vidé toute une bouteille de vieux bourbon. J'avais jamais bu avant, j'étais défoncé. Maman est arrivée à l'improviste, elle a renvoyé Bill chez lui et m'a monté à ma chambre avec son air sévère sur le visage. J'étais pas vraiment fier. Et là, elle a dit, David, j'ai toujours su que tu serais le raté de la famille. Elle l'a dit sans le penser? Oh, si, au contraire. Et la preuve, c'est que c'est pas la seule fois où elle l'a dit. Après ça, j'ai commencé à faire l'idiot et les ennuis ont plus arrêté. Ma vie ne m'intéressait plus. Pourtant, j'ai été bien inspiré en partant de la maison. J'ai trouvé un travail, je suis plus à l'aise. Ça va me permettre d'avoir un chez moi. J'ai déjà entendu ça. Ah non, mais cette fois, c'est vraiment sérieux. Et puis, de toutes les façons, je pourrais plus dormir ici après la fin du mois. Et comme j'ai pas envie de coucher dans la rue... Tu peux toujours revenir à la maison. Ça, c'est pas demain la veille. Ouais, c'est pas une très bonne idée. Non, c'est pas une très bonne idée. Où tu étais? Dehors. Je te l'avais pourtant interdit. Tu es allé voir David, hein? C'est mon frère, j'ai bien le droit de le voir quand même. Mais comment tu pourras aller à l'université si tu ne finis pas l'école? Oh, mais je vais la finir, ton école. Non, avec des F dans tous tes cours, j'ai tu pas ne la finiras DF, pas. Ne discute ça. Pas avec moi. Qu'est-ce que tu as tout à coup? Tu veux finir comme ton frère? Tu veux gâcher ta vie, toi aussi? Il n'a rien gâché du tout. Il travaille et il est content. Oui, de laver la vaisselle. Oh, toi, t'es trop snob. Écoute-moi, c'est ça que tu veux, parce que c'est ça qui va t'arriver si jamais tu ne vas pas à l'université. Peut-être bien que j'ai pas envie d'y aller à l'université, peut-être bien que je ferai autre chose. Tu sais plus ce que tu dis. Allez, va dormir, on en reparlera demain. Est-ce qu'elle s'est montrée déprimée ces derniers temps? Est-ce qu'elle traînait avec des amis? Oui, c'est exactement ça. Et bien entendu, tout ceci nous inquiète. Oui, je sais qu'on en avait discuté à l'époque où vous aviez des problèmes avec David. Et vous aviez été contre. Mais je crois qu'un établissement spécialisé, comme Meadowbrook, a prouvé qu'il avait d'excellents résultats avec les enfants ayant un comportement difficile.
Vous accepteriez peut-être l'aide de vrais professionnels cette fois-ci. Je dois vous avouer que tout ceci ne me plaît pas beaucoup. Je pensais que nous pourrions réussir à régler nos problèmes nous-mêmes. Je comprends ça. Mais laissez-moi être franc avec vous. J'ai vu de très nombreux enfants adopter soudain ce genre d'attitude. C'est souvent un appel au secours de leur part. Et si cet appel n'est pas entendu, ça peut entraîner un comportement autodestructeur. Le taux de suicide chez les adolescents est très élevé de nos jours. Et je pense que nous, les adultes, nous devons être vigilants et prêts à aider ces jeunes. Où as-tu trouvé ça? Dans son tiroir. Tu as fouillé dans son tiroir? Je cherchais, je sais pas quoi, de la drogue, quelque chose, une réponse. C'est juste un poème, il n'y a pas... Je suis tellement seul que si demain je venais à disparaître, personne n'emporterait le deuil. Juste un poème, hein? Attends un peu, rien ne dit qu'elle pense vraiment au suicide. Je vais lui parler. Bonjour. Ça s'est bien passé? Ouais. Est-ce qu'on peut parler? Ouais. Je sais qu'on a eu des problèmes ces temps-ci. Mais je veux que tu saches que si tu le veux, tu peux toujours me parler de tout. Même de choses graves. Ouais, je sais. Je sais. Ta rupture avec Danny a été pénible. Et ça fait du bien d'en parler quand ça arrive. Alors si tu as envie d'en parler, vas-y. C'est vrai, je t'écouterai. Ça me rappelle ma propre rupture avec Doug Warner. J'ai cru en mourir. Mais je vais bien, j'ai pas du tout envie d'en parler. Tu en es sûre? Ouais. Bien. Je voulais seulement te rappeler que j'étais là pour t'aider. Je monte faire mes devoirs, puisque j'ai pas le droit de sortir. Michel, regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Laura n'aurait jamais passé les tests d'orientation. Quoi? Non, c'est un malentendu. Téléphone à l'école. Tu parlais de tes tests d'orientation? Je voulais te le dire. Non. J'en ai assez de tes excuses, de tes explications. Je ne veux pas te voir, je ne veux pas entendre ta voix. D'accord, je parle juste. Ça m'est égal où tu vas. Je ne sais pas si j'arriverai à te pardonner ça.
Je l'avais encore jamais vu comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Mon copain ne reviendra pas avant jeudi, alors tu peux rester ici. Il est tard. On va se coucher. Non, tu comprends pas. Si je suis venue, c'est pas du tout pour ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de te raconter que ça n'allait pas du tout chez moi. Et que ma vie n'avait plus aucun intérêt. Ce que je cherche, c'est un ami et rien d'autre. Mais moi, je suis ton ami. Et même le meilleur que t'es. Écoute, j'ai dit non, alors t'arrêtes. Mais c'est l'occasion parfaite. Il n'y a personne pour nous embêter. Il n'y a vraiment que ça qui t'intéresse, alors. Tu t'en fiches complètement de moi. Arrête un peu, qu'est-ce que t'es égoïste? Mais qu'est-ce que je fais ici? Et tu penses à moi? T'y penses bien assez tout seul. Crois-moi, il faut essayer. Pas d'autre solution. Tu es sûr que ça va? Je te l'ai déjà dit 100 fois. On nous a dit que tu avais trop bu et que tu avais trop d'alcool dans le sang. Ton père et moi, nous avons pris une décision. Si on le fait, c'est pour ton bien. On t'envoie dans un endroit appelé Meadowbrook. Nous ne connaissons évidemment pas la gravité de ces problèmes. Il est possible que vous n'ayez vu que le sommet de l'iceberg, ou bien inversement que ce ne soit qu'une crise passagère. Notre taux de réussite est assez impressionnant. Les 2 semaines d'observation sont souvent suffisantes pour résoudre les problèmes. À Meadowbrook, nous rendons les enfants à la vie. Votre assurance est tout à fait adéquate. Je t'aime, ma chérie. T'aurais pas fait ça si c'était vrai. Il faut que tu comprennes qu'on fait cela pour ton bien, ma chérie. Non, maman, c'est pas la peine de te forcer. Sans l'avoir rencontré. Quoi? Ils l'ont prise sans l'avoir vue et sans aucun diagnostic. C'est très étonnant. Qu'est-ce qu'ils vont dire à la compagnie d'assurance? Ça se passera bien et c'est seulement pour 2 semaines. L'important, c'est que quelqu'un l'aide. Docteur Winslow, je ne sais pas ce que mes parents vous ont raconté, mais je vous assure que ma place n'est pas ici. Écoute-moi, Laura, je pense que pendant que tu resteras ici, tu dois tout faire pour en profiter. Dis-toi que c'est une simple rupture avec tes parents, une remise en question de tout. D'accord. Voici Madame Collins, elle va t'aider à t'installer. D'accord? Oui. Vas-y. Thank you.
Ton sac, s'il te plaît. Donne ton bras droit. C'est pour quoi faire? C'est la procédure. Tout le monde y a droit. C'est simplement pour te détendre. Qu'est-ce que vous faites avec mes affaires? Elles ne sont pas adaptées. Nous avons des règles ici. Nous interdisons tout ce qui est provoquant. Les jupes, les robes, pas de maquillage ni de bijoux, que des pantalons larges et des chemises ou des hauts tout à fait strictes. Bon, déshabille-toi pour qu'on finisse de t'installer. Je comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je te dis de te déshabiller. Excusez-moi? Oui, c'est simplement pour la fouille de routine. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tiens, mets-toi ça. Il y a 5 niveaux de traitement à Meadowbrook. En montant de niveau, on augmente ses privilèges. Tu es au premier niveau. Quand tu auras gagné 100 points, tu monteras au deuxième. Tu gagneras 10 points chaque fois que tu seras coopératif. Tu vois, c'est facile. Tu te conduis bien, tu es récompensé. Téléphone, meilleur repas et même de petites sorties. Parler aux autres est limité aux réunions de détente, bien entendu, de 15 à 16 heures. C'est tout. Et pendant le séjour, pas de télévision, pas de radio, pas de courrier, pas de visiteurs. Je pense qu'il y a mieux à faire que de se reposer au milieu de la journée, non? Merci, Madame Collins. Je vais modifier mon comportement. Voici ta commode. Voici ton lit. Maintenant, si tu fais ce qu'on te dit, on s'entendra très bien toutes les deux, d'accord? Allez, réunion dans 20 minutes. Salut. Je peux pas te parler, c'est clair? Pourquoi? J'ai aucune envie de perdre des points. Je vais passer au 4e niveau et ensuite j'aurai ma chambre. Ouais? Eh ben, on se taira. T'as réussi à passer quelque chose? Passer quoi? Disons, des cigarettes, de l'herbe ou autre chose. Même si j'avais voulu, j'aurais eu du mal. Ils ont regardé partout. Il y a toujours un moyen, tu apprendras ça. Tu dois te sentir un peu squish, Paris. Ouais, j'ai l'impression d'avoir pris une bonne raclée. C'est à cause de ce qu'ils t'ont injecté, c'est tout. Ça te rend plus malléable. Si t'as pas eu de problème de drogue avant de venir ici, rassure-toi, tu ressortiras vite. Mon père et moi, on n'a pas du tout les mêmes goûts en musique. Moi, le folk, je supporte pas. Il passait que ça, du matin au soir à la maison. Et par contre, il traitait ce que j'aimais de musique du diable. J'en avais par-dessus la tête de ces sermons bidons sur l'amour du prochain et la paix. Et puis un jour, j'ai craqué. J'ai pris tous ces disques et je les ai réduits en morceaux à coups de marteau dans le garage. Tu t'es senti comment en faisant ça? Je me suis éclaté. Oh. Oui, Marty? Tu as quelque chose à partager? Oui, j'ai une plainte à formuler. Vas-y, raconte-nous ça. Vous savez ce machin qui colore l'eau en bleu dans les toilettes? D'après la notice, c'est prévu pour 2000 arrivées d'eau. Eh ben moi, j'ai compté. Celui qui était placé chez nous n'agit que sur 882 arrivées d'eau. Ça fait 1118 de moins que prévu. Je trouve ça dégoûtant. Je pense qu'on devrait en parler au directeur. Merci, Marty. Continue comme ça et tu passeras le reste de ta vie au deuxième niveau. Est-ce que quelqu'un a quelque chose de raisonnable à nous dire? Personne? Bon, très bien. Nous avons un nouveau membre qui a rejoint le groupe. Tu veux bien te lever? Tu vas te présenter à tout le monde en nous disant ton nom et en admettant que tu es une alcoolique. Une alcoolique? De quoi vous parlez? Tu as eu de gros ennuis avec la police l'autre soir. Tu es allé dans le fossé avec ta voiture et tu avais trop bu. Ouais, je sais, mais attendez. J'ai aucun problème de boisson, j'aime pas l'alcool. Groupe? Elle ment. Elle ment? Oui, elle ment. Elle ment. Ou bien tu avoues, ou bien tu la fermes. C'est le seul choix que tu aies. Il a raison. C'est à toi d'abord de reconnaître les problèmes et ensuite on essaiera ensemble d'en trouver la source. Mais je ne reconnais rien parce que je ne bois pas. C'est pas vrai du tout. D'accord, c'est ton choix. Ton attitude négative t'apporte 2 heures d'isolement pour y réfléchir. Tu avais 20 points pour changer de niveau, Laura. Ça t'en coûtera 10. Mais attendez, cette histoire est complètement idiote. T'énerve surtout pas, hein. Tais-toi et va-t'en. Ça devient ridicule. Et puis j'ai rien à faire ici, moi. J'aimerais bien recevoir un dollar chaque fois que j'entends ça. Mais lâchez-moi! Tu tiens le coup? Ils essaient de t'impressionner. Ils viendront te détacher pour le dîner.
Tu vas voir, c'est très mauvais, mais c'est plutôt curieux. Oh, c'est rien, c'est Naomi, elle est un peu bizarre. Ouais, j'avais remarqué. C'est pareil chaque soir. Qu'est-ce qu'elle a? Je sais pas, elle a craqué. Elle ne dit plus rien depuis plus de 15 jours. Ça les affole tous, ils y comprennent rien. Toutes leurs règles sont inefficaces contre les dingues, ils en sont très conscients. Lâche-la! Laissez-la tranquille! Je te dis de la lâcher! Tu dois modifier ton comportement. Gaspiller la nourriture? Je vous l'ai déjà dit, on me l'a prise. J'ai dit, tu vas apprendre à ne pas gaspiller la nourriture? Oui, madame Collins. Je vais modifier mon comportement. Je vais modifier mon comportement. Bravo. Quand tu auras fini celle-là, tu retourneras dans ta chambre. Tous ces endroits sont pareils. Depuis que j'ai 13 ans, je vais de l'un à l'autre. Pourquoi? À cause de ma mère. Elle pouvait plus me supporter. Tu sais, avant, j'étais pas folle. Maintenant, j'en suis plus du tout certaine. Mais je compte bien réussir à partir. Je vais m'enfuir grâce à un conduit d'aération, celui qui aboutit dans la salle principale et qui conduit au parking. Chaque fois que je peux, je desserre une des vis ou je l'enlève. Encore quelques jours et je pourrai filer. Debout, face au mur. Vite, allez, dépêche-toi. Dépêche-toi, face au mur. Et après ça, je ne sais plus. Je me faisais vomir après chaque repas. Ta maman cuisinait vraiment si mal que ça? J'avais très peur de grossir, c'est tout. Marty, tu vas t'éloigner du deuxième niveau si tu continues. On ne plaisante pas pendant une réunion de groupe. Oui, pardon, je ne serais plus plaisanter du tout. Marty... Merci, oui. Je vais modifier mon comportement. Très bien, Rachel, merci. Et on passe à Laura. Es-tu décidée à participer aujourd'hui? Je suis forcée. Oui, si tu veux réussir à récupérer des points, tu as intérêt à participer. Peut-être qu'elle pense qu'elle est trop bien pour nous. C'est vrai, ça, Laura? Non. Regardez-la, ça crève les yeux. J'ai connu des filles de ton genre à l'école. Des filles de parents riches? Peut-être bien qu'elle a rien à dire. Elle a besoin d'un petit verre d'alcool. J'ai une simple question à te poser. Pourquoi crois-tu être ici? J'en sais rien. Eh bien, je vais te le dire. Parce que tes parents t'ont placé ici. Parce que tu rendais leur vie insupportable. Parce que ta vie devenait un vrai gâchis. Parce que tu créais des problèmes à tes amis, à ta famille, à tout le monde autour de toi. Peut-être que tu ne le voyais pas, mais crois-moi, c'est vrai. Ton frère a déjà créé des ennuis à tes parents et aujourd'hui, c'est ton tour. J'en ai assez d'écouter ça, c'est ridicule. Où est-ce que tu vas comme ça? Je vais voir le docteur Winslow. Personne ne voit le docteur Winslow, mais si jamais il venait, crois-moi, tu aurais des problèmes. Vous n'avez pas le droit de me garder ici enfermé, c'est contre la loi. Pas si tu as moins de 18 ans, tu n'as qu'à appeler un avocat. Alors donnez-moi un téléphone. Tu n'es qu'au premier niveau, tu n'as pas droit au téléphone. Non, laissez-moi! Non! Non! Lâchez-moi! Calme-toi, sinon je serai forcée de te donner un sédatif. Qu'est-ce que tu veux? Je veux sortir! Laissez-moi tranquille! Non! Je ne suis plus habituée à un repas qui ne sorte pas du congélateur. Oui, à quand remonte notre dernier vrai repas ensemble? Oui, je sais très bien que je consacre trop de temps à mon travail. Tout ça a l'air délicieux.
C'est moi ou c'est vraiment très silencieux ici? Je me demande si on ne devrait pas aller mettre un peu de musique bien bruyante dans l'une des chambres. Ça manque les enfants. J'ai essayé de téléphoner à Laura aujourd'hui. Robert, tu n'aurais pas dû faire ça. On nous a expliqué qu'on ne devait avoir aucun rapport. Je le sais, mais j'ai quand même essayé. Ils ont dit qu'elle allait bien, mais ils ont refusé de l'appeler au téléphone. Il reste à espérer que c'est bien vrai. Il ne sert à rien de te faire du mal. Il fallait essayer cette solution. On n'avait pas le choix. Puis, il reste seulement 11 jours. Ouais. Mais qui les compte, ces jours? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a voulu se tuer avec les médicaments, je suppose. Chaque jour, elle faisait semblant d'avaler ce qu'on lui donnait. Elle l'air crachait dès qu'elle se retrouvait seule. Et quand elle a pensé en avoir assez, elle a tout avalé. Ils lui feront un lavage d'estomac et après-demain, elle sera revenue ici. J'en ai marre, il est toujours en train de me regarder, celui-là. C'est à lui? T'as peut-être la cote? Non, je sentirais. Il y a autre chose que ça. Je peux seulement te dire qu'à ta place, je m'en méfierais. C'est qui? Un malade. Et ça fait longtemps qu'il est là. Il a passé ses premières semaines au cachot parce qu'il se rebellait et se bagarrait avec les surveillants. Ils l'ont tellement puni qu'il savait plus où il en était. Et puis tout à coup, il a changé. Il est devenu tout gentil. Maintenant, il se révolte plus jamais. Et toi? Quoi, moi? Bah, pourquoi t'es ici? Pourquoi t'as fait ça? J'en sais rien. C'est pas très clair. Je vais t'expliquer. Il y a des jours super où je suis en pleine forme et où je pourrais sortir. Où je pourrais sauter d'un avion sans parachute et puis ensuite voler pendant des heures. Et il y a des jours où... C'est de la bipolarité. Je suis... maniaco-dépressif, tu vois. Je me sens beaucoup mieux maintenant, hein. Oui, oui, sincèrement. Je prends plein de pilules et elles m'aident beaucoup, alors je... Eh ben, en tout cas, moi, j'essaierai jamais de me tuer. Et toi, pourquoi t'es ici? Pour avoir été stupide. Voilà, je l'ai suivie jusqu'ici. Elle essayait de s'échapper. Elle essayait de s'échapper. Allez, fais pas l'idiote. Sois raisonnable, calme-toi, on ne te fera aucun mal. Laissez-moi! Rattrape-la! Allez, toi, va dans ta chambre!
assieds-toi. Qu'est-ce que tu fais? Chut. Tais-toi, écoute-moi. Quand tu seras au parking, cours vers les arbres sur la droite et t'arrête pas avant la route. Appelle une femme qui s'appelle Nora Fields au service des lois sur la jeunesse et raconte-lui ce que t'as vu ici. T'as entendu? Oui, mais Nora Fields. J'ai déjà essayé à les fermer. Ça va s'ouvrir. Vas-y! Allez, vas-y! David, salut, c'est moi. Ouais, je sais qu'il est tôt, mais excuse-moi, est-ce que tu peux venir me prendre quelque part? C'est une longue histoire, je te raconterai tout ça. C'est bien sûr de vouloir rentrer. C'est vrai, hein, je peux t'héberger. Non, tout le monde va s'inquiéter pour moi, je veux seulement tout arrêter. Merci. Je t'appelle. Au revoir. Maman, papa. Toi. C'était vraiment terrible, si tu savais. Nora ? Ils nous enferment dans un cachot. Et ils nous mettent des camisoles de force. Ils nous attachent sur un fauteuil. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Elle refuse de participer aux réunions de groupe, elle désobéit au règlement et elle semble se moquer de son propre avenir. J'ai du mal à croire ça, Laura. En tout cas, en parlant de la garder 2 semaines, je me suis montré un peu optimiste. Je crois que son séjour doit être prolongé au moins jusqu'à 1 mois. 1 mois? Ah non, non, je ne pense pas. Monsieur Mills, votre fille fait preuve d'un comportement incohérent. C'est un danger pour elle-même ainsi que pour les autres. Il faut la surveiller 24 heures sur 24. Êtes-vous prêt à vous occuper d'elle? Alors dites-moi carrément que vous savez très bien ce qu'il faut faire et alors... Non, elle sera mieux chez vous. Comment on va réussir à lui faire comprendre qu'il ne s'agit que de son bien? Laissez-moi lui parler. Je ne retournerai pas là-bas. Laura, il faut être lucide. Il y a 2 solutions. Ou tu reviens avec nous à Meadowbrook sans faire d'histoire. Ou alors j'alerte les services concernés et tu te retrouveras très vite dans un centre de jeunes délinquants. Et ça n'a rien de comparable à Meadowbrook. C'est 1000 fois pire. Et je te l'ai dit, c'est à toi de choisir. Je ne comprends pas pourquoi vous ne me croyez pas. Tout ce que je vous ai dit est vrai. Attendez. Téléphonez au service de la protection de l'enfance, Nora Fields. Elle vous dira tout. Vous prenez la bonne décision. Oui. Tu te sentiras mieux dans 2 minutes.
va bien? T'arrives pas à dormir. Je me sens comme Judas. Tu as tort de dire ça. On a fait ce qu'il fallait. Et s'il avait dit vrai sur les traitements infligés aux enfants? Tu crois que des enfants peuvent être drogués ou attachés à des fauteuils? Et si ça lui faisait aucun bien? Si ça aggravait tout, au contraire? Non, ça doit marcher. Il le faut, sinon ça voudra dire qu'il faudra renoncer à tout ce à quoi nous avions pensé, tout son avenir, tous ses rêves s'écrouleront. Est-ce qu'on lui a demandé quels étaient ses rêves? Laura? Laura? Bonjour, Laura. Comment vas-tu? Je peux pas aller bien dans des conditions pareilles. Écoute-moi, rien ne te force à tout rendre plus difficile, encore moins à te battre. Alors laissez-moi sortir et je vous écouterai. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut d'abord que tu reconnaisses que tu as des problèmes et que tu as besoin de nous. Non, j'ai pas besoin de vous. Laissez-moi sortir. Tu ne nous laisse pas d'autre choix que de continuer ce traitement. Docteur, cette patiente a déjà reçu presque 30 mg de phénothiazine en moins de 24 heures. Arrêtez pour l'instant. Bonjour. Je sais que je suis pas le bienvenu, mais je suis seulement passé voir si Laura allait bien. Quoi? Elle n'est pas là. Ah, elle est allée où? Vous l'avez pas renvoyée là-bas? J'arrive pas à croire que vous la traitiez comme ça. On avait peur qu'elle se suicide, c'était la seule solution. Vous êtes complètement malade. Laura n'a jamais voulu se tuer. Qu'est-ce que tu fais ici, David? Je t'ai dit que je ne voulais pas te revoir ici tant que tu n'auras pas rendu l'argent que tu as volé. C'est pas la peine de cacher l'argenterie, je m'en vais. J'étais seulement passé voir ma sœur. Laisse-la tranquille. Ne t'approche pas d'elle. Tu as assez fait de mal. Ouh, c'est vrai? Et c'est encore la maman de l'année qui parle comme ça? On va te proposer à la nomination, Laura et moi. Et c'est pas la peine de le regarder. Il s'en lave les mains, comme ça. Ça suffit, David. Hein, papa? Allez, va-t'en. Si vous croyez que Laura reviendra habiter ici et vous pardonnera, vous ne comprenez rien à rien. Et tu te demandes pourquoi tu n'es pas le bienvenu dans cette maison? Non, parce que tu me le rappelles chaque fois que t'en as l'occasion. Salut. Tu vois, je passais justement dans le coin, alors je suis venu pour te voir et prendre un verre. Tu tiens le coup? Chut. Non, pleure surtout pas. Est-ce que tu crois à la réincarnation? Moi, j'y crois. Et je sais qu'après ma mort, je reviendrai sur Terre. Et j'espère bien pouvoir être un grand créateur. Ou Michael Jordan. Ou même mieux. La vie sera beaucoup plus belle. Et tu vois, quand les choses vont mal, tu te dis ça et ça va mieux. C'est un bon truc, crois-moi. Tu devrais essayer. Hé, hey, toi là-bas. Tu n'as pas à être ici. Tu devrais le savoir. Merci, docteur Winslow. J'avais modifié mon comportement. Écoute-moi bien. Ta conduite devient imprévisible. Il faut constamment te surveiller. Tu ne t'en sortirais pas toute seule. Tu le sais bien. Maintenant, je crois que tu es prête à coopérer. On ne te demande rien d'autre. Est-ce que tu vas apprendre à te contrôler? Oui. Ça me rassure. Je suis très fier de toi. Thank you.
Ça y est, t'es sortie? Ouais. Ouais. Et cette fois, j'ai plus de problème. En tout cas, j'obéirai gentiment. Je répondrai ce qu'ils veulent entendre. Bravo. Et tu verras, ça ira si tu fais ça. Ouais. Et j'ai eu droit au deuxième niveau après avoir dit que j'allais coopérer. Mmh. Et ils m'ont arrêté la thiazine. Alors, tu vas très bien te débrouiller sans moi. Pourquoi ça sans toi? On me laisse sortir aujourd'hui. Mais comment ça? Eh oui, je vais sortir. Ils m'ont dit de préparer ce que j'avais à prendre. C'est génial. Ouais, ouais. Mon père a dit qu'il passerait me prendre ici et qu'on donnerait une superbe fête avec tout plein de gens. Attends, je te donne mon numéro. T'as le droit de téléphoner maintenant. Ouais, ouais, c'est vrai, je t'appellerai. Voilà. Et tu penses que cette fois-ci, ça ira? Moi? Oui. Oui, bien sûr, je me sens beaucoup mieux. C'est vrai. D'accord. Tu devras te soigner, je suppose. Oui, je le ferai, n'aie pas peur. Tu sais, Marty, tu vas me manquer. C'est vrai, t'es le seul ami que j'ai. Et on restera amis après ça. On restera amis pour toujours. Bonjour. Oui, Désiré. Vous êtes Nora Fields? Je l'étais ce matin. J'ai téléphoné à votre secrétaire tout à l'heure. Je m'appelle Robert Mills. J'ai eu votre nom par ma fille. Elle est soignée à Meadowbrook. C'est un établissement qui s'occupe... Ah oui, je vois ce que c'est. Asseyez-vous. Et comment votre fille a eu mon nom? J'en sais rien, mais c'est elle qui m'a dit de venir vous parler à propos de cet endroit. Oui, j'essaie de défendre les enfants mineurs qu'on place à tort dans des endroits comme Meadowbrook, qui, à mon avis, devrait fermer depuis longtemps. Certains endroits sont très bien, ça, il faut le reconnaître. Il y en a. Mais moi, je m'intéresse aux autres. Et à leur méthode. C'est David contre Goliath, vous savez. Il n'y a que Gladys et moi. Ça fait peu de monde. Et ça prouve que je suis folle. Et puis, je fume trop, c'est terrible. Bon. Que puis-je pour vous, monsieur Mills? Ma fille, Laura, a essayé de nous raconter qu'il se passait des choses tout à fait affreuses là-bas. Et je suis très embêté, je ne sais plus ce qu'il faut croire. Eh bien, si la moitié de ce qu'elle dit est vrai, ça vous suffit? Oui, très largement. Alors vous avez la réponse. Ouais. J'espère pour elle que vous avez une mauvaise assurance maladie. Comment ça, que voulez-vous dire? La longueur du séjour dans un endroit pareil semble dépendre de la somme que votre assureur va couvrir. Et dès qu'on atteint cette somme, tout change. L'enfant est guéri. Mais qu'est-ce que vous racontez? C'est affreux. Monsieur Mills, je vous demande si vous achetez une voiture sans d'abord regarder dans quel état elle est. Non, bien sûr que non. C'est comme si vous veniez juste de vous payer une épave. Comment ça? Ils vous ont fait visiter Meadowbrook. Très bien, monsieur Mills. Laissez-moi vous en dire un peu plus sur les méthodes employées par ces gens-là. Tu ne devrais pas rester en dehors des heures autorisées. Merci. Tu as eu des ennuis pour avoir déclenché l'alarme? Moi, ça?
À peine 2 jours d'isolement. Désolée. C'est rien, t'aurais fait la même chose pour moi. Il faut éviter les piqûres, ils te donnent des choses qui t'assomment et c'est dangereux. Oh, rassure-toi, ils ont arrêté les piqûres et je prends seulement les pilules. Ouais, très bien, mais il faut pas les avaler surtout. Pourquoi est-ce que tu t'occupes de moi? C'est comme ça, c'est tout. Allez, viens. J'ai parlé à quelqu'un aujourd'hui. Une femme qui s'occupe de défendre les enfants. Je crois que Laura a dit la vérité sur les méthodes utilisées dans cet établissement. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Tu sais très bien qu'elle doit rester là-bas pour être surveillée toute la journée. Toutes les maisons du genre de Meadowbrook existent parce que pour les parents, c'est une solution de facilité. Qu'est-ce que tu racontes? Un tas de ces enfants ne devraient pas s'y trouver. Cette femme m'a raconté comment marchaient ces hôpitaux. Ils gonflent les factures que vont payer les assurances. Quand la somme limite est atteinte, alors là, comme par hasard, les enfants sont guéris, ils les lâchent. Mais ça n'arrive pas à Meadowbrook, on l'aurait dit. Chérie, je crois qu'il faut sortir Laura de là et voir ensemble ce qui va mal entre nous. C'est toujours la même chose. On prend une décision à deux, tu reviens dessus et c'est à moi après de me débrouiller. Sans moi, on ne serait arrivé à rien du tout dans cette famille. Qu'est-ce que tu crois que je fais tous les jours? Tu crois être le seul? J'ai jamais dit ça. Si tu avais été ici plus souvent, si tu avais été disponible pour tes enfants, si tu avais eu la volonté de prendre des décisions de temps en temps, on n'en serait pas là. J'ai une lourde responsabilité envers ma fille et si je dois me montrer sévère pour son bien, alors crois-moi, je le ferai. Où est-ce que tu vas? Dehors. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais qu'on parle tous les deux. Il est tard. Je sais. On pourrait même s'offrir une bière. D'accord. Attention, tu deviens alcoolique. Hein. Alors, Stuart a fini par t'engager, c'est ce que j'ai appris. Ouais. Il a obtenu un contrat avec la ville, il lui fallait quelqu'un. Jusqu'à maintenant, il me confie des choses faciles. J'apprends chaque jour quelque chose de nouveau avec lui. Bravo, c'est bien. Ouais. Je sais que c'est pas mon travail qui te préoccupe. Tu as ramené Laura à la maison l'autre jour. J'aimerais savoir si elle t'a raconté quelque chose sur les méthodes utilisées là-bas. Ouais, plein de choses. C'est un vrai camp de concentration, d'après elle. Et tu la crois? On se ment jamais. On a fait ce qu'on a considéré le mieux pour elle. Non, attends, tu plaisantes? Quand vous l'avez envoyée là-bas, vous avez pensé à ce qu'elle va entendre quand elle retournera à l'école? Il est tard, je sommeille. Non, s'il te plaît. Reste, s'il te plaît. Je ne suis pas venu te parler seulement de Laura. J'ai à parler de différentes choses avec toi. Je sais que ça n'a pas été facile dernièrement pour toi. Ça n'a pas été non plus pour moi. Depuis que tu as décidé d'aller vivre ailleurs, il n'y a plus de vie de famille à la maison. Et c'est ma faute, hein? Non. Ce n'est pas ta faute, c'est moi le responsable de ce fiasco. Je suis très loin d'être le père parfait, je le sais bien. Ni le mari parfait. Pourtant, je crois qu'il est encore temps d'essayer de... Oh, non, non. Il est quelques années trop tard pour commencer à jouer au papa, tu crois pas? Il est trop tard pour aller derrière la maison et jouer au football tous les deux.
Oui, c'est vrai. Mais je reste ton père. Et je t'aime. Écoute, si tu veux que je te déculpabilise, je suis d'accord. Je me suis mal conduit, je le sais. La vie avec moi, c'était pas un cadeau. Mais c'est passé, tout ça. J'ai pas de rancœur envers toi ni envers maman, c'est comme ça et c'est tout, point final. Alors, arrête de t'accuser de je ne sais quoi. Merci pour le verre. Accompagné dans ta chambre. Allez, viens. Tu seras mieux dans ton lit. Ça va? Tu vas te coucher et tu vas dormir. Allez, vas-y. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Moi aussi, je pourrais te poser la question. Sois gentille, n'en parle à personne. T'inquiète pas, je te dénoncerai pas. Écoute, on va aller dormir et oublier ce qui s'est passé ce soir, d'accord? Allez vite, le surveillant va bientôt passer. D'accord. Merci. Je te devais bien ça. La langue? Ça me fait très plaisir de voir que tu es obéissante ces jours-ci. Tu viens de gagner encore 10 autres points. Je suis content de te voir, Laura. Est-ce que par hasard tu serais prête à participer? Je m'appelle Laura et je suis alcoolique. Mais non, non, écoute, je t'ai déjà expliqué 100 fois. On arrête. Tu entends, c'est terminé et c'est tout. Je le sais, je le sais. Je suis vraiment désolé. Moi aussi, écoute, c'est ma faute. Je te l'ai déjà dit, je dois redevenir sérieux. J'ai une famille et je dois penser à mes enfants. Mais non. Mais non, ma chérie. Tout est fini. C'est comme ça. Monsieur Mills, bonjour. Qu'est-ce qui vous amène? Bien, je suis venu chercher Laura. Oui, il y a un problème? Non, 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 il n'y a aucun problème. On veut qu'elle rentre. Où? Votre femme est ici? Non, elle est occupée. Ah, je vois. Asseyez-vous. Non, non, ça ira. Je vais à ce niveau. Monsieur Mills, il n'est pas raisonnable du tout de récupérer Laura avant que son traitement soit terminé. Montrez-moi où je signe. Ça n'est pas aussi simple. Nous avons été contactés par vous-même et nous avons reçu le feu vert de l'assurance pour apporter des soins à votre fille. Notre diagnostic est qu'elle va tomber dans une grave dépression. Et ça suffit pour envisager de la garder ici pendant 6 mois. 6 mois? Mais qu'est-ce que vous racontez? Laissez-moi vous résumer ceci d'une manière claire. Si vous retirez Laura de chez nous, contre l'avis des médecins, et si elle a une dépression nerveuse, vous risqueriez des ennuis pour négligence. Vous risqueriez aussi qu'on vous retire la garde de votre fille. Écoutez, je suis prêt à l'assumer. Allez chercher ma fille, s'il vous plaît. Je ne sais pas quoi vous dire. Ça m'ennuie beaucoup, Monsieur Mills. Il m'est interdit de laisser sortir votre fille sans que votre femme signe aussi. Pardon, je ne comprends pas. Il y a 2 signatures sur les formulaires d'admission et selon la loi, il s'agit là d'une décision conjointe. Il nous faut donc sa signature. J'aimerais vous être agréable, mais la loi l'interdit. Tu as le droit de passer 3 coups de fil par semaine. Chacun de ces appels ne peut pas dépasser 5 minutes. Ta conversation est évidemment écoutée.
Bonjour, vous êtes bien chez David, je suis absent. C'est le répondeur, je peux faire un autre appel? Allô? Allô, Marty est là? Et qui le demande? Une amie qui l'appelle de Meadowbrook. Est-ce que je peux lui parler? Allô? Quoi? Marty s'est tué. Il s'est ouvert les veines. Mon Dieu. Il était pourtant content, son père devait passer le prendre et toute sa famille lui avait préparé une grande fête. Marty était orphelin. Il vivait avec sa grand-mère dans une caravane de camping. J'y comprends rien, il se disait pourtant guéri. Ils ont eu tort de laisser sortir. Écoute, quels que soient les problèmes qu'il avait, ils n'ont fait qu'empirer ici. S'ils l'ont laissé sortir, c'est simplement parce que ses frais n'allaient plus être couverts. C'est la seule raison de ce drame. C'est dégoûtant de leur part. Et ça arrive très souvent. Je suis désolé. Michel, on va chercher Laura. Ils exigent nos deux signatures. Mais enfin, je suis occupée. Oh, mais si c'est important, on passera. Non, non, je vous en prie. Ne viens pas me déranger en plein travail. Mais qu'est-ce qui est le plus important? Ton travail ou notre fille? Je reviens, excusez-moi. Michel! Écoute, on reparlera des problèmes de Laura à un autre moment. Et si c'était pas Laura qui créait les problèmes? Ah, c'est moi, hein? C'est moi qui demande trop, je suis perfectionniste. Oui, mais va savoir, c'est possible. On avait oui. deux enfants à élever, il fallait bien que quelqu'un s'occupe d'eux. Ça veut dire quoi, ça, que je m'en fiche? Je les ai élevés toutes seules, et c'est moi qui tout fais. Où tu étais à ce moment-là? Comment ça, où j'étais? Dis carrément que ton mari n'a pas répondu à tous les espoirs que tu avais placés en lui. Je ne sais pas très bien ce que tes maîtresses attendaient de ta part, mais moi, j'ai un peu plus d'ambition. Tenez, je vous laisse notre carte. Non. Non, excuse-moi. Attendez. Ça y est, je suis à vous. C'est pas vrai. Le surveillant va passer dans une minute. Va dans ta chambre. Non, je veux aller avec toi. Sinon, je vais appeler le surveillant moi-même et on pourra lui expliquer pourquoi on est ici tous les deux. Passe-moi le panneau qui est accroché là. Tiens, la paire passe et la clé de la pièce. C'est bon, viens. J'ai déjà regardé les dossiers qui sont là. Tu vas regarder dans ceux-là, juste devant toi. Qu'est-ce qu'il faut trouver? Tout ce qui a trait à l'argent. Il faut des chiffres. Des choses dans ce genre-là. Regarde-là, cette somme-là, 860 $. C'est ce qu'ont coûté les soins médicaux pour un malade pendant le temps qu'ils l'ont gardé ici. Et voilà ce que la compagnie d'assurance a payé. 2 600 $. Fraude à l'assurance. Attrape-moi ces dossiers là-bas. Pourquoi tu n'essaies pas plutôt de les coincer sur tout le reste, sur leur façon de traiter les enfants? Non, il faudrait plaider l'incompétence médicale, c'est presque impossible à gagner. Le vrai moyen pour les avoir, c'est de prouver la fraude. Si les assurances refusent de payer, ils déposeront vite leur bilan. On les aura. Pas mal de personnes qui touchent de l'argent pour envoyer des enfants ici. Directeur d'école, professeur, conseiller, il y a tout. Del Carson, c'est le conseiller de mon école. Pas mal, 9 000 $ rien que pour cette année. Si je remets ça entre de bonnes mains, ils vont tous le payer cher. Qui es-tu? Vraiment?
Mon vrai nom est Jason. J'ai bien plus de 17 ans. Je travaille pour Nora Field. C'est elle qui m'a fait entrer ici pour essayer de trouver des... Pêche-toi! Jean, tu vas avoir des explications à donner. Attendez-moi dehors. Tu vas me dire ce que tu fais ici. J'ai cru que c'était ouvert, alors je suis entré. Peterson. Colin James, surnommé CJ. Qu'est-ce que vous allez faire de moi? Je ne sais rien. Je vais d'abord t'isoler pendant que je réfléchirai. Tu es devenu subitement un danger, pour toi, mais aussi pour les autres. Après tout, mettre le feu dans un bureau est un acte très grave. Heureusement que j'ai pu l'éteindre tout de suite. Bien. Je sais. J'ai un grand service à te demander. Tu rêves? Je l'avais gardé pour Laura. Je voulais que plus tard, notre belle petite fille la porte à son mariage. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que j'ai pu faire partir tout le monde? J'ai vraiment été si terrible. Mais ce n'est pas ta faute. Je voulais seulement avoir une vie parfaite. Mais certains ne sont jamais parfaits. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé, Michel. Crois-moi, oui, je suis désolé pour tout un tas de choses. Mais... c'est rien. Mais on ne doit pas laisser nos problèmes détruire nos enfants, ça c'est clair. Et il faut sauver notre famille. Je ne sais pas du tout comment faire ça. On va déjà aller récupérer Laura aussi vite qu'on le pourra. Oui, une petite minute. Oui? Tante Nora, bonjour, c'est moi, Laura. Qui ça? Laura? Je me trouve encore à Meadowbrook. Je te téléphone de là-bas. Ah, Laura, mais oui, comment tu vas? Ça va, tante Nora. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Oui, des siècles. Est-ce que Jason est là? Jason? Non. Il est retenu, autre part. Il a encore eu des problèmes? Non, 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 aucun problème. Il est seulement parti voir un ami, mais il va revenir tout à l'heure. Je lui dirai que tu as appelé. D'accord. Oh, j'y pense, ton anniversaire approche, et j'ai pensé à toi. J'ai un très beau cadeau pour toi. C'est Jason qui m'en a parlé. D'après lui, c'est tout à fait ce que tu cherchais depuis très longtemps. Excuse-moi, je ne peux pas te parler plus longtemps. Non, Laura, juste une petite minute, d'accord? Non, je dois raccrocher. Je te rappellerai. Laura. Au revoir. Gladys, téléphone vite au bureau du procureur. Je préviens la police. Où sont passés les comptes de ce qu'on a payé le mois dernier? Je ne comprends pas. Je vous dis que je ne sais pas où ils sont. Tu le sais. Tu es un menteur.
Et puis, de toute façon, pourquoi je vous le dirai, puisque je sais maintenant ce que vous faites? Oui. Nous prodiguons des soins ici, nous sauvons des vies. C'est ce que vous faites croire pour rouler les assurances. Si le travail fait chez nous peut empêcher un enfant de s'ouvrir les veines, alors tout le reste est justifié. Ça, c'est votre opinion. Mais je serais curieux de savoir ce qu'en penserait un procureur. Écoute-moi, petit imbécile. Je ne sais pas pour qui tu te prends. Mais un simple coup de fil de ma part, et il n'y a plus de C.J. Peterson. Tu iras passer le reste de ta vie au milieu de vrais fous. Vous, vous passerez le reste de votre vie en prison. Dis-moi où sont ces dossiers. Des dossiers? Mais... Monsieur Saunders attend depuis une demi-heure. Je veux qu'ils restent tous dans leur chambre. Docteur Winslow, bonjour, je suis Monsieur Saunders. On s'est parlé au téléphone mardi dernier. Oui, Monsieur Saunders, désolé de ce petit retard, mais... Docteur Winslow, on vient pour Laura. On veut la faire sortir avec ou sans les deux signatures. Vous avez menti, je me suis renseigné. Pas du tout, je ne vous ai pas menti, il faut deux signatures. C'est pas grave, on s'en fiche. Où est-elle? Je vous demande de m'excuser, mais c'est un imprévu. Je m'absente un instant pour régler la paperasse. Mais ne vous en allez pas, on n'a pas l'intention d'attendre. Monsieur Mills, je vais juste demander au secrétariat de faire le nécessaire. Il n'y a rien ici. Je vous ai entendu parler au docteur Winslow. Est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi vous êtes aussi remonté? Non, j'en sais rien, je peux pas vous dire. Tout ce que je sais, moi, c'est qu'on a reçu un signal à la station et le problème semblait venir de votre cafétéria. Ah oui? Ça devient ridicule. Je ne me laisserai pas faire. Allez vite chercher Laura. On a assez attendu. Je n'ai pas le droit de décider de ça. Eh bien, je vous le donne. Docteur Winslow, ses parents ne veulent plus attendre. Bien d'accord, elle peut partir. Bien. On n'a rien trouvé ici, docteur. Docteur Winslow, vous avez perdu ça. Nous avons des raisons de penser que votre fille cache de la drogue dans sa chambre. Il raconte des histoires, ne l'écoute surtout pas. Ça suffit maintenant, on s'en va. Cette patiente a une personnalité double, assez désordonnée. C'est un danger pour elle-même et surtout pour les autres. Docteur Winslow, je veux voir C.J. Si vous la faites sortir d'ici, il deviendra impossible... Docteur Winslow, nous avons un mandat pour fouiller les bâtiments. Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est une longue histoire, je te raconterai plus tard. Je sais pas quoi dire, c'était une fausse alerte. Merci. Merci.
T'es prête? Ouais, presque. Dis donc, si tu prends tout ça, on ne pourra plus entrer chez moi. Les choses s'arrangent entre les parents? On dirait. Alors, qu'est-ce que vous avez décidé au sujet de l'université? Je leur ai expliqué que j'avais besoin de réfléchir. J'irai peut-être l'année prochaine. C'est bon, on y va. Tu as tout pris? Oui. Et ta télé? Pas la peine, j'ai encore celle que je vous ai volée. Bon. Laura, avant que tu ne partes, j'ai une chose à te dire. Aucun de nous n'a envie que tu t'en ailles. Maman, laisse-la, c'est sa décision. J'ai bien le droit de dire ce que je pense. Maman, je te arrête signale d'être mêlée que c'est tout. Notre elle fille. Fait ce qu'elle veut. Bien d'accord. Vous voulez bien arrêter de vous disputer? Allez, viens, on s'en va. Attends, Laura. On est ridicule. Ça, c'est vrai. Je veux plus qu'on se dispute. Je crois bien que tu n'es pas le seul. On vous aime. Vous pourriez venir dîner ce week-end? Tous les deux? Maman cuisinera. Ça va être dangereux. C'est une bonne idée, oui. D'accord. Au revoir.